20 morts, 4 disparus, c'est le dernier bilan qui s'alourdit après les gigantesques coulées de boue qui ont déferlé en début de semaine sur une partie de la Californie du Sud. Pour les équipes de sauveteurs, la mission macabre, c'est de fouiller les débris et les bâtiments à la recherche de victimes dans un environnement instable et dangereux. Les fortes pluies qui se sont abattues sur cette région très vallonnée ont déclenché des coulées de boue qui ont dévalé les collines de Montecito et d'autres villes au nord-ouest de Los Angeles. Un phénomène facilité par l'absence de végétation, elle a été réduite en cendres par de vastes incendies en décembre dernier.